Impôts, les dates à retenir pour ce mois de décembre. En ce mois de décembre 2023, les contribuables français et les propriétaires sont confrontés à plusieurs échéances fiscales. Une mise à jour du taux de prélèvement à la source concerne environ 2 millions de foyers qui ont modifié leur taux en 2023. Il est crucial de réactualiser son taux via Générer mon prélèvement à la source pour éviter des changements brusques en janvier 2024. La date butoir pour les rectifications des déclarations 2023 sur les revenus de 2022 est fixée au 6 décembre. Le 13 décembre, c'est la limite pour moduler à la baisse l'avance annuelle sur les crédits et réductions d'impôts, prévenant ainsi des remboursements à l'été 2024. Le 15 décembre concerne les prélèvements sur la taxe foncière et la taxe d'habitation, sur les résidences secondaires avec une date prolongée jusqu'au 20 décembre pour le paiement en ligne. Pour la mensualisation de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, la date limite est le 15 décembre pour une première mensualité en février. Enfin, le dernier prélèvement du solde d'impôt sur le revenu aura lieu le 27 décembre 2023 pour les contribuables dont le solde dépasse les 300 euros.